Voilà, wow, les gars, j'étais absolument pas prêt. Violence dès le matin comme ça. 918 qui arrive. Gébrabus. Bien énervé lui. Là, il y a le Gébrabus que je viens de filmer qui vient de se poser là. Et regardez ce qui arrive un peu plus loin. Encore un Gébrabus. Cette fois-ci, celui-ci, il m'a l'air suisse. Bon, on continue avec les clagés. Cette fois-ci, 4-4 au carré. Ça enchaîne bien. V8 Vantage qui suit avec une petite déco anglaise. Il y a 458 qui arrivait comme une balle là-bas. Ah ouais, il est très chaud lui. Échappement sport ou pas d'origine là-dessus. D'accord. Gros clash Gébrabus qui arrive. On a Cullinan. Alors la plaque, je sais pas du tout c'est quoi. Il me semble que c'est un black badge en tout cas ce Cullinan. Vraiment pas mal. Je vais essayer de zoomer sur la plaque dès qu'il avance un petit peu. Alors, allons-y, zoomons. Merde, je suis trop nul en drapeau. AMG GT Roadster avec une petite déco. Bonjour madame. Alors, bonjour à la Belgique. Regardez la plaque de ce Urus. AP. C'est pas très compliqué. Inan. Black badge, full black. Et juste là-haut, regardez, je vais zoomer comme un gros patte. Un bus et un autre black badge qui est un peu plus loin là-bas, immatriculé en Russie. Fiat. Oh, la spec de la Huracan est assez folle, regardez. C'est violet ça en plus. Mais oui, c'est clairement violet. Magnifique. Je viens de retrouver la Huracan violette. Bon, malheureusement il fait un peu trop sombre, elle n'est pas au soleil, mais elle est bien violette. Bon, j'ai l'impression qu'elle ressort bleue sur la caméra. Je vais essayer de changer d'angle. En tout cas la spec est vraiment ouf, limite parfaite, jaune grise. C'est vraiment dommage qu'elle ressort pas bien comme tout à l'heure au soleil. Elle a même du carbone forgé à l'intérieur. Donc ça doit être en option, je pense. Parce que j'ai jamais vu du carbone forgé comme ça quand c'est pas une Huracan performante. Enfin, vraiment belle spec. Allez, les gars, on a une très belle pépite. Regardez-moi cette tuerie RS5 Sportback ABT. Donc la RS5R ABT en rouge comme ça. L'avant avec le diffuseur en carbone, là-bas c'est marqué juste RS5R, c'est magnifique. Les jantes spécifiques, rabaissées,
Et là c'est ouf, je vais vous montrer l'arrière. Avec les 4 grosses sorties d'échappement ABT. Ça, c'est une très belle pépite, comme je dis, hein. Magnifique. CLS AMG Roadster. Regardez, on n'est pas bien là. SLR sur le port, elle est posée comme ça avec la porte ouverte. Là, je suis refait. J'en ai profité pour faire quelques petites photos. Par contre, il y a beaucoup de vent. J'espère que vous m'entendez bien. Noir, intérieur rouge, c'est beau. Voilà les gars, j'étais absolument pas prêt. Je me dirigeais tranquillement vers Juan-les-Pins pour aller manger une petite crêpe. Et là, regardez ça. Chiron Sport. C'est dommage, elle est dans le pire endroit possible à Cannes pour la filmer. Mais elle est vert mat et vert carbone. Je vous montre déjà la face avant. Même si on voit pas grand chose, je suis assez dégoûté de la voir de nuit. Mais bon, ça fait quand même plaisir enfin de voir une Chiron en mode car spotting. Hop, je vous montre un peu l'autre angle. On voit vraiment pas grand chose, je suis dégoûté. Mais ça fait quand même ultra plaisir de voir une Chiron Sport comme ça posée. Pouah. Du coup j'ai mis le flash, je déteste filmer avec le flash. Mais carbone vert à l'arrière, regardez ça. Et à l'avant, toute cette partie là, elle est mate. Franchement les gars, je suis juste dégoûté d'être dans le pire endroit. Là on est devant le Medusa, le restaurant à Cannes. Il y a des lumières jaunes, il n'y a pas beaucoup d'éclairage. C'est vraiment le pire des endroits de Cannes pour vous faire des vidéos et des photos. Mais bon tant pis, ça fait quand même plaisir. On a vu une Chiron Sport full carbone, parce que devant c'est du carbone mat, à l'arrière c'est du carbone normal. Elle est verte, elle a le sky view, elle est full option. Donc voilà, bon, je suis pas fan de la configuration, mais ça fait quand même très plaisir de voir enfin une Chiron. Regardez là, on voit rien, on sait même pas ce que c'est. Mais c'est dommage, en tout cas voilà, ça fait plaisir, petite Chiron, c'est toujours ça. Les petits passages à Juan-les-Pins un dimanche soir, juste pour rire. Regardez, il y a une GTR du Koweït, le seul arabe dans le coin. Attention, il y a un Dodan, frérot. Ça m'a bien fait rire, voilà, le... Le seul mec du Koweït dans le coin, il insiste, il vient quand même à Juan dimanche soir. Genji ! Bon bah pour le coup, regardez, elle s'est posée au Baoli, qui techniquement n'est pas meilleur pour les vidéos ou les photos. Donc bon, c'est pas de chance. Bon, en tout cas, voilà, la Chiron là, elle est bien présente à Cannes ce soir. Ça fait du bien de voir une Chiron Sport. En plus, celle-ci, regardez, elle a le Sky View. Donc, elle a les vitres juste au-dessus là qui sont absolument magnifiques. Elle est vraiment toute verte, même l'intérieur a l'air vert, on le voit pas très bien. Mais l'intérieur aussi est tout vert. Donc, Chiron Sport, full vert, vert carbone mat à l'avant. Vert carbone brillant, en espérant pouvoir la revoir un jour, deux jours. Là d'un côté vous avez la Chiron et de l'autre côté vous avez, je vais essayer de zoomer, Ryan Bensetti, Kev Adams. Bon, il y a un peu tout le monde là-dedans, je les connais pas tous, mais bon, il y a surtout une Chiron.